Hello, c'est Chloé et aujourd'hui je vous donne 3 conseils pour acheter son premier sac de luxe. Premier conseil, n'achetez pas un sac par rapport à une tendance, sinon vous risquez de le regretter lorsqu'il ne sera plus à la mode. Par exemple, le sac Jody de Bottega Veneta, c'est le sac tendance du moment, mais je pense que dans 2 ou 3 ans, on ne le verra plus du tout. Je vous recommande donc un sac intemporel comme le Speedy chez Louis Vuitton ou le sac de jour chez Saint Laurent. Deuxième conseil, faites attention à la matière de votre sac. Souvent, le premier sac de luxe, on veut le porter beaucoup, donc il faut qu'il soit résistant. Donc attention au velours, au tissu et au daim qui sont très fragiles. Le Gucci Marmont en velours était super tendance il y a 5 ou 6 ans, mais c'est un sac qui vieillit très mal. Optez plutôt pour un sac en toile enduite ou bien en cuir grainé, car ces deux matières sont celles qui résistent le plus à l'épreuve du temps. Troisième conseil, prenez des couleurs basiques. En faisant ça, vous êtes sûr que vous pourrez porter votre sac avec tout le reste de votre garde-robe. Les sacs verts et les sacs roses sont très tendance cette saison, mais je pense que c'est une mode qui va vite passer. Donc je ne vous conseille pas de prendre votre premier sac de luxe dans des couleurs vives. Optez plutôt pour du noir, du marron ou du rouge car ça s'accorde avec tout. Et faites attention au sac beige car c'est super salissant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et vous pouvez également me suivre sur Instagram et sur TikTok.